Bien, bonsoir à tous. Vous êtes en live ici sur la chaîne Décoder l'écho et ce soir, je vais recevoir Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ben, bonsoir et merci d'avoir accepté de venir sur la chaîne Décoder l'écho pour nous parler de ton livre, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid, comment et pourquoi ils ont fait tout faux et à quand leur mea culpa, c'est aux éditions, pardon, Résurgence. Donc ce soir, on va parler de ça. Peut-être, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas, comme la plupart des gens sur cette planète d'ailleurs, j'ai envie de dire. Du coup, Jean-Dominique, est-ce qu'en quelques mots, tu peux commencer par te présenter, puis ça permettra à tout le monde de nous rejoindre en même temps. Oui, très volontiers. Écoute, je m'appelle Jean-Dominique Michel, je suis anthropologue de la santé et expert en santé publique. C'est-à-dire que mon travail consiste à évaluer l'adéquation entre les besoins de santé de la population et les dispositifs de soins, donc voir ce dont les gens souffrent et puis la manière dont le système de soins tel qu'il est configuré répond plus ou moins bien ou plus ou moins mal aux besoins des personnes concernées. Et ce qui m'a amené au cours du temps, et c'est amusant, je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est pourtant tellement important comme sujet, à devenir un des rares spécialistes en langue française de la corruption institutionnelle, c'est-à-dire de l'analyse de la manière dont, au fond, tout ce système est complètement dévoyé dans des directions d'intérêt lucratif, d'une manière qu'on pourrait résumer comme ça, de manière un peu lapidaire. Nous n'avons pas de politique de santé, nous avons une économie de la maladie, c'est complètement différent. Et l'économie de la maladie, ben, ma foi, est profitable pour beaucoup de personnes qui tirent un ensemble de ficelles dans le système tel qu'il existe. Oui, c'est exactement le bon mot. On entend souvent une erreur sémantique qui est de dire que la santé, ça coûte cher. La santé, ça ne coûte pas cher, ça rapporte beaucoup. C'est l'inverse. Ce sont des deniers qui sont récupérés sur les impôts des gens et qui ensuite filent dans les bonnes poches. C'est comme ça que ça se fait pour la plus grosse masse de santé. Et donc, ça rapporte un fric fou. Juste en deux mots, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pierre Chaillot, je suis statisticien, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, qui est en ligne depuis plus de 10 ans maintenant, je crois, qui parlait surtout d'économie et qui depuis 3 ans parle beaucoup de démographie, qu'on aurait pu savoir décoder les Covid. Et du coup, moi j'ai écrit ce livre-là, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, qui est sorti l'année dernière aux éditions L'Artilleur. Et qui est ressorti en format poche d'ailleurs en janvier, là, tout de suite récemment, ce qui permet, j'espère, d'avoir, avec un format plus petit, plus court, un prix aussi plus petit, qui permet à plus de personnes d'avoir accès à cette information. Donc voilà, mais ce soir, on n'est pas là pour parler de mon livre, on est là pour parler du livre de Jean-Dominique Michel, que je vais remontrer, Autopsie d'un désastre, mensonges et corruption autour du Covid.